Suddenly pieces are back together now. What's your vision? Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler donc le Blind Shell, un téléphone adapté aux seniors, un téléphone adapté aux mâles et non-voyants, l'assistant vocal qui l'accompagne. Un téléphone vocalisé, un téléphone à gros caractères, à grosse icône ici comme on peut le voir. Message de contact 3 sur 9. Plus d'applications, 4 paramètres, 5 sur 9. Information d'état, 6 sur 9. Manuel, 7 sur 9. Contact favori, 8 sur 9. 4 événements manqués, 9 sur 9. Appel, 1 sur 9. Voilà. Et l'assistant vocal qui peut rendre un très grand service car beaucoup de gens ont du mal avec le tactile. C'est pas nouveau. On a des personnes qui ne s'habituent pas du tout au tactile. Et le Blind Shell peut pallier à cette problématique. Deux boutons. Le bouton sur le côté droit qui est le bouton marche arrêt. Et le bouton de volume au bas qui est sur le côté gauche. Le bouton de volume haut est le bouton qui va nous déclencher l'assistant vocal du Blind Shell. Alors, ce n'est ni Siri, ni Cortana, ni Google Assistant. Bonjour, que puis-je faire pour vous? D'ailleurs, salut, ça va bien, merci et toi? Je me porte à merveille. Que puis-je faire appel pour vous? 4 Stop. Événements manqués, 17:49, mardi 13 février 2018. Et que peut nous apporter donc l'assistant du Blind Shell? C'est donc un appui long sur le bouton volume haut et on va déclencher notre assistant vocal. Qu'est-ce que l'on va pouvoir faire avec? Eh bien, on va tout de suite voir ça dans la suite de la vidéo. Merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait, de partager et de liker. A tout de suite pour la suite de la vidéo. Nous revoilà donc avec notre Blind Shell. Pour lancer l'assistant vocal de notre Blind Shell, on fait un appui long sur le bouton volume haut. Voilà donc. Avec cet assistant vocal, on va pouvoir gérer le téléphone, envoyer des messages, lancer des appels et voir d'autres choses. On va tout de suite faire quelques tests et voir ce que le téléphone avec son assistant vocal, le Blind Shell, est capable de faire. On fait donc un appui long sur le bouton volume haut. On entend la petite voix qui nous dit: je vous écoute après le bip. Appelez le 01 43 62 12 11. Appel du numéro en cours 01 43 62 12 11. Appel en cours. Voilà, donc comme vous avez pu voir, l'appel a été lancé sans problème. On l'a lancé via la reconnaissance vocale. On va pouvoir lui demander de nous donner le niveau de la batterie. Je vous écoute après le bip. Niveau de la batterie. Charge de la batterie, 46%. On va pouvoir, par exemple, lui demander de nous ouvrir un endroit spécial du téléphone. Je vous écoute après le bip. Ouvrir les paramètres. Ouverture de l'application paramètres. Contrôle, 1 sur 9. Son, 2 sur affichage, 3, réseau, 4, connexion au compte Google. Formater la carte SD, 6 sur 9. Appel 1 sur 9. Comme vous avez pu voir, sans problème, on a ouvert l'application paramètres. Idem par exemple pour... je vous écoute après le bip. Ouvrir Facebook. Ouverture de l'application Facebook. Ici, étant donné que je n'ai pas du tout ouvert mon compte Facebook sur ce téléphone, puisque c'est un téléphone de démonstration. J'ai eu une demande d'ailleurs d'un des abonnés. Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire donc une vidéo sur le compte Facebook éventuellement. Éventuellement inventer un compte Snapchat, etc. Donc ici, on est simplement dans la vidéo pour montrer ce que l'on peut faire avec notre Blind Shell. Je vous écoute après le bip. Ouvrir le Wi-Fi. Désactiver Wi-Fi, 1 sur 3. Liste des réseaux. Se connecter au réseau caché, 3 sur 3. Voilà, donc on n'a aucun problème de ce côté-là aussi. On peut aller régler directement et lui demander de faire des actions directement dans les paramètres. Je vous écoute après le bip. Quel jour sommes-nous? Mardi 13 février 2018.
Je vous écoute après le bip. Quelle est la météo actuellement? Ouverture de l'application météo. Mardi 13 février 19h. Température 2 degrés Celsius. Description, légère pluie. Vitesse du vent, 6,1 mètres par seconde. Couverture nuageuse, 92%. Humidité, 93%. Pression, 980, 55 hectopascal, 1 sur 40. Voilà donc pour la météo. Alors, on voit bien que le téléphone est quand même assez complet, avec une gestuelle très simplifiée, un assistant vocal performant. On peut envoyer des messages, lancer des appels, activer n'importe quelle application qui se trouve dans le téléphone, lui demander le niveau de la batterie. En fait, des tâches très basiques, mais qui peuvent rendre vraiment un grand service. Un téléphone très simple, mais qui fait son travail. Le Blind Shell, donc un téléphone dédié aux personnes mal et non-voyantes, aux seniors, qui voudraient donc avoir quelque chose de performant, ainsi que un téléphone qui pourrait naviguer sur Internet. Des mises à jour régulières, gratuites. Voilà donc pour cette petite vidéo sur le Blind Shell et son assistant vocal. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous désirez savoir sur ce téléphone. Et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous!